Les secrets de la saison 4 Fortnite, partie 2. À Mega City, si vous tuez le personnage Diva du Diamant, vous allez obtenir deux armes uniques, le fusil à pompe grondeur et le fusil d'assaut à viseur rouge. Depuis la nouvelle mise à jour, les fusils à double chargeur peuvent être rechargés n'importe comment. Donc ça veut dire que même si vous tirez que 2 balles, vous allez pouvoir recharger le deuxième chargeur. Avant cette mise à jour, il fallait utiliser toutes les balles pour pouvoir recharger les deux chargeurs d'un coup. Là, vous allez pouvoir recharger quand vous voulez et comme vous le voulez. Il y a une nouvelle version du van de rétablissement qui est apparue à Shady's Tilt. Par contre, il n'a rien de plus comparé aux autres vans. La seule chose qui change, ce sont ses couleurs et apparemment, il est lié au skin Mae du pass de combat. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais HyperMonkey est tombé sur une machine qui vend le pouvoir de Jujutsu Kaisen. Donc si vraiment vous avez de la chance et que vous tombez dessus, ça ne servira à rien parce que même si vous activez la machine, vous n'obtiendrez pas le pouvoir. Par contre, le distributeur défaillant est toujours présent dans cette saison. Code créateur SCL.